on a pu débloquer la monétisation sur l'une de nos chaînes avec Wolfeo. Sur cette chaîne, aujourd'hui, on a 1500 abonnés et ben on va voir combien YouTube nous paye pour 1500 abonnés. Aujourd'hui, ça fait un petit moment que YouTube a mis en place un système qui permet de rémunérer en fait les créateurs. Et donc, on a ce qu'on appelle la monétisation sur YouTube. Il faut répondre à certains critères, dont un qui fait un peu mal pour les personnes qui commencent leur chaîne YouTube, c'est qu'il faut réunir 4000 heures de visionnage sur toute la chaîne entièrement. Donc ça peut paraître beaucoup comme ça, mais vous allez voir que nous, en l'espace de quelques mois, on a réussi à le débloquer, on a réussi à avoir tous les éléments qu'il fallait pour débloquer la monétisation. Et donc aujourd'hui, quand je parle de monétisation, parce qu'il y a plusieurs manières de monétiser sa chaîne YouTube, en fait, tout simplement, on crée une vidéo et puis YouTube va vendre un espace à des personnes qui veulent faire de la publicité sur notre vidéo. Et donc, elle va nous donner un pourcentage, en fait, au final, de la publicité qui a été générée sur notre vidéo. Je vous mets un petit peu de contexte si jamais vous connaissez pas Wolfeo. En fait, c'est une plateforme tout en un qui permet de gérer son business en ligne. Donc, vous pouvez créer des tunnels de vente, des sites internet, des blogs, des mails automatiques, etc. Donc, vous pouvez vraiment gérer tout votre business, mettre en place des formations, les héberger sur Wolfeo. Et donc, sur notre chaîne YouTube, on a décidé de partager du contenu marketing, business, des conseils pour pouvoir gérer justement son business et tout un tas d'astuces qui permettent de faire grossir sa boîte. D'ailleurs, si ça vous intéresse, juste en dessous, il y a un lien où vous pouvez essayer Wolfeo pendant 14 jours gratuitement. Vous n'avez même pas besoin de mettre votre carte bleue ou quoi que ce soit. Donc, vous le voyez sur ce graphique-là, ça, c'est vraiment l'aperçu général de la chaîne YouTube. On est vraiment dans le YouTube Studio qui nous permet de gérer en fait toutes les analyses. Et là, on voit que la chaîne totale a 257 000 vues, mais on voit bien que depuis la création, en fait, ça fait quelques temps qu'on a commencé réellement à poster un petit peu du contenu régulièrement dessus. Avant ça, en fait, on postait une fois de temps en temps, on était un petit peu les mauvais élèves là-dessus. À partir de mars 2022, on a commencé à publier très régulièrement et surtout à bien tenir le rythme. Et c'est ça qui nous a ramené, en fait, les 4000 heures le plus rapidement possible. Donc à partir de mars, on voit bien que la courbe, elle commence à augmenter. Donc on commence à augmenter le nombre de vues, le nombre de visiteurs, le nombre de nouveaux visiteurs, etc. Et même d'ailleurs le nombre d'abonnés en fait qu'on a pris sur cette période-là. Donc si on reprend un petit peu l'historique de la chaîne, on a été monétisé en août et on a commencé à publier du contenu régulièrement en avril, ce qui nous fait entre 5 et 6 mois approximativement pour pouvoir en fait être monétisé. Donc c'est possible et donc on le voit un peu sur la liste des vidéos, on a des vidéos qui font 60 000 vues, 40 000 vues, 35 000 vues, 23 000 vues, etc. Et donc, en fait, on commence vraiment à avoir de l'attraction sur ces vidéos-là. Et c'est sur ça que YouTube se base pour pouvoir générer, en fait, les revenus publicitaires. Je vous montre les 4 conditions qu'il faut pour pouvoir être monétisé aujourd'hui sur sa chaîne YouTube. Au moment où je fais la vidéo, il faut avoir un minimum de 1000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Il faut activer la validation en 2 étapes. Donc ça, c'est vraiment très simple à activer. Vous avez juste à paramétrer votre compte pour que vous utilisiez par exemple votre téléphone portable pour pouvoir faire une autorisation à 2 facteurs. Il faut également ne pas avoir d'avertissement actif pour non-respect du règlement de la communauté. Et le plus dur à obtenir sur les 4, d'ailleurs vous voyez que sur cette chaîne-là, on l'a pas encore activé, mais ça ne serait tardé. Il faut avoir un minimum de 4000 heures au total de visionnage sur sa chaîne YouTube. Quand on parle de 4000 heures, en fait, les stories et les shorts ne sont pas comptés dans les 4000 heures. Donc c'est vraiment sur les vidéos longues que vous pouvez avoir ces 4000 heures et c'est vraiment sur ça que YouTube va se baser pour comptabiliser le nombre d'heures. Donc vous avez beau faire des shorts, ça va ramener du trafic sur votre compte, ça peut aider à avoir les 4000 heures plus vite, mais pas directement. Donc une fois que ça c'est fait et que vous avez enfin activé la monétisation, vous avez différentes manières de pouvoir monétiser, vous avez la publicité vidéo comme je vous l'ai dit, donc ça vous n'avez pas grand chose à faire, vous avez juste à continuer à créer du contenu. Vous avez aussi les subscriptions, donc ça veut dire que les gens vont pouvoir s'abonner à votre chaîne. Aujourd'hui, YouTube, pour 1500 abonnés et 257 000 vues, on a reçu aujourd'hui 383,18 €. Si on fait un petit peu le calcul, aujourd'hui, on est à peu près entre 9 et 11 euros par jour de générer grâce à la publicité sur YouTube. Vu comme ça, ça peut paraître pas beaucoup. Par contre, imaginez encore une fois, aujourd'hui, vous avez un business en ligne, c'est-à-dire que vous vendez vos produits, vous avez en fait déjà votre business qui est établi. Vous ne comptez pas aujourd'hui sur YouTube pour vous rémunérer. Et en fait, c'est tout simplement 383 euros de bonus en l'espace de quelques vidéos.
Ça veut dire que, en fait, sur YouTube, on va capter du trafic pour vendre nos produits, mais en plus de ça, on a un bonus de la part YouTube qui nous récompense pour nos vidéos qu'on crée. Donc voilà pour ce que YouTube nous envoie aujourd'hui. Et il faut savoir aussi que c'est une chaîne qui est très jeune. Donc en fait, on peut penser que bah, avec le temps, forcément, on va avoir encore plus de rémunération de la part de YouTube. Et ça, bah, si c'est du bonus, on prend. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si jamais ce sujet vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo qui apparaît sur l'écran et sur laquelle je vais vous parler en fait plus amplement des différentes monétisations et comment aujourd'hui en 2023, vous pouvez faire de l'argent avec YouTube. Si jamais vous êtes intéressé, cliquez sur la vidéo. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.